Je m'appelle Frédéric Nocard. Je suis infirmier licencié en sciences de la santé publique et titulaire d'un troisième cycle en administration et gestion. Et j'ai rejoint ici le groupe Santé CHC il y a maintenant 11 ans. Et je m'occupe du secteur des maisons de repos, secteur qui est constitué de 9 maisons de repos où on héberge un peu plus de 850 résidents. Alors, c'est un métier avant tout d'engagement et porteur d'énormément de sens dans la prise en charge d'adultes âgés en situation de santé délicate. Donc on a développé toute une série d'activités où c'est le résident qui décide ce qu'il souhaite faire comme activité, à quel moment ses soins peuvent être administrés. C'est également un métier qui met beaucoup en évidence l'intelligence collective des collaborateurs, des directions de site et qui permet d'être au plus près possible des solutions à apporter aux problématiques du terrain et aux enjeux à venir. Alors, le salon Soins et Santé, c'est évidemment une grande porte vers toutes les innovations du secteur, au niveau de l'infrastructure, au niveau du mobilier, au niveau des applications, du matériel de soins. C'est également un salon qui permet de rencontrer des personnes qu'on ne voit pas tous les jours, donc ça permet de travailler vraiment le networking professionnel. Donc c'est un salon qui, à mes yeux, est très très riche pour les acteurs des soins de santé.